bienvenue au pavillon des Ponts Jumeaux. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux partenaires pour cette soirée qui vous est réservée avec la présentation de l'ensemble de l'effectif du staff de votre équipe favorite, le Stade Toulousain. Alors pour commencer cette soirée, mesdames, messieurs, monsieur Didier Lacroix. Didier, on vous écoute. C'est une belle soirée qui commence, une belle saison. Ben, merci. Merci à tous. Merci pour votre fidélité, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà réengagé votre fidélité auprès du Stade Toulousain. Sachez que je suis ravi. C'est une date importante. Tu le précisais pour moi. Un premier discours devant l'ensemble des abonnés et des partenaires, c'est toujours quelque chose d'important sur un plan de l'émotion, je vous le garantis. Ce que je vous promets, c'est qu'on mettra le cœur nécessaire pour mettre le Stade Toulousain sur les bons rails. Place sportive, merci encore pour votre confiance et à très vite. Merci Didier. Et c'est cool de voir beaucoup de monde. Nous, on est très fiers de redémarrer cette saison. La frustration est aussi génératrice de bonnes nouvelles, dans le sens où, dès l'instant qu'on est frustré, on a envie d'en faire plus le week-end qui suit. Et l'an dernier, Pau avait été un point de départ douloureux. Et j'espère que Pau, cette année, sera un point de départ heureux et qu'on va y mettre tous les ingrédients pour remporter ce match dès ce week-end. J'avais envie de voir le nouveau recrutement. J'étais curieuse par rapport à la saison dernière qui a été très compliquée. Il y a du potentiel, il y a de la jeunesse, c'est prometteur. Alors on y croit, il y a plein de jeunes, ils ont la niaque, ils ont l'envie et nous on les supporte, on est derrière. Bonsoir à tous déjà. Moi, je suis pas très très doué pour faire ce genre d'exercice, donc non, je vais laisser faire Hugo quand même. C'est le manager, donc je vais le laisser présenter les nouveaux joueurs qu'il a choisis pour cette saison quand même. Je suis ravi de ce discours de Flo. C'est Simon Pierre. Je peux le défier pour le même type de discours avec Antoine, qui est vraiment prêt à ce genre d'exercice. Antoine ? Bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Tu peux dépasser les 12 mots de Florian, tu crois que tu peux le faire ? Si c'est dans ma capacité, donc tu as l'air plutôt à l'aise pour parler, je vais te laisser faire aussi. C'est que je suis très 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 fier de vous présenter une équipe de cette qualité. Je suis habitué à venir à Soir à Bonnane, mais alors cette année c'est super. Les joueurs sont hyper sociables, on peut les aborder, on peut discuter avec eux, ils sont sympas, c'est super là. Vraiment, je suis content ce soir. La convivialité et la simplicité des échanges.
Non, la proximité des joueurs, c'est sympa. Voilà, c'est mieux que de les voir tout le temps sur le terrain. Là, on peut leur parler, c'est agréable. Ouais. Ben, parfait. Après, on a pu voir tous les joueurs. C'était superbe. Moment convivial, quoi. C'est parfait, quoi. C'est être proche des supporters. Je pense qu'il n'y a pas tous les clubs qui le font. Donc, voilà, quoi. En 19 jours plus tard, les Toulousains retrouvent leurs supporters et le stade Ernest Vallon. C'est l'occasion de tourner la page et de prendre leur revanche. Nouveaux joueurs, nouveaux défis et premier test de la saison. Stade Toulousain, section paloise, samedi 2 septembre, 20h45, à Ernest Vallon.